une nouvelle journée avec nous. J'espère que j'ai rien entre les dents parce que j'ai mangé des graines de chia et souvent ça a le don de se foutre entre mes chics à moi et ça c'est pénible. Bref, donc je vais éviter de trop souffrir ou je vais faire comme ça. Oh mon dieu, merde. Donc là, j'ai recouché Liana, on est levé depuis 8h30. Je me suis couchée un peu tard. J'avoue que je devais faire un petit peu de vlog, j'en ai fait pas mal. J'ai fait pas mal de trucs sur le PC aussi. Bref, du coup, 8h30, petit déj. Là, j'ai rangé toute la salle de bain. Puis il y avait des trucs que j'avais pas encore rangés. J'ai fait du tri dans des petites choses que je me servais plus, que j'avais pas tout à fait tout terminé, etc. Donc, là, du coup, je vais me faire un petit soin. Je vais me faire ce petit soin-là. Vous savez, j'ai reçu pas mal de produits Yves Rocher. Je vous les ai pas montrés dans le vlog, je crois. Dans les vlogs précédents, je crois que je vous les ai pas montrés. Mais je vais faire tout un article sur le blog sur les produits Yves Rocher pour Noël. Donc du coup je vais le tester parce que bien sûr avant de vous faire un retour faut que je teste. Donc je vais le tester là ce matin. Ensuite je vais recharger la batterie de ça puisque j'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Je vais travailler, je vais faire les photos pour l'article. Comme ça les produits sont encore pleins quand je fais les photos. Et puis voilà. Après je vais faire un brunch parce que j'ai envie de faire un petit brunch pour ce midi, pancakes et tout. Donc je vous montrerai les petites recettes que je vais faire pour ce brunch là. Voilà. Donc Liana est repartie au lit. J'ai remis mon pull. Je le quitte pas celui-ci, mais je vous promets que j'arrête. Bon, je me suis préparée. Type vient de rentrer du travail. Liana n'a pas dormi. Je l'ai mis un peu au lit avec son truc à histoire, pensant qu'elle allait endormir vu qu'elle était crevée. Mais elle ne s'est pas endormie. J'ai annoncé ce qu'elle a eu. Je suis essoufflée. Va savoir pourquoi. Alors je fais du sport tous les jours. Non, mais des fois je comprends pas mon corps. Enfin bref, là on est en train de faire à manger. On va bruncher, je pense. Je vais faire des petits pancakes et tout. Je vais vous montrer tout ça. Je vous mets tout sur le blog, ce que j'ai acheté hier à Liana chez Kiabi. Je vais vous montrer sa petite tenue d'aujourd'hui. Regarde maman, regarde maman, regarde maman. Regarde maman. Regarde maman. Elle est pas trop jolie notre petite table. Elle est belle hein. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi. Je mets une alerte, elle n'a pas dormi ce matin, cet après-midi. Ça fait une heure qu'elle est au lit, elle ne dort pas. Elle est venue du coup réveiller son papa, autant vous dire que là je pense... C'est quand même mignon. Stop, stop. Stop. Oh. Tu parles, c'est mytho, parce que la louche commence à m'énerver. Fais-lui un bisou, un câlin. En même temps, tu la prends pas vraiment dans tes bras pour solliciter un câlin plus long. Non, la pauvre. Regarde. Alors regarde ce qu'elle a pris. Papa. Papi. Maman. Bébé. Oui, c'est maman et bébé. T'es un petit, une petite crotouille toi. Hein. T'aurais pu faire dodo quand même. J'ai envie d'avoir des petites photos, Bon, regardez, il y a encore tout ça à ranger. Le linge à plier, je suis en train de monter le vlog. Là, j'attends Cindy qui me donne son top départ pour pouvoir poster la vidéo swap ensemble. Tout simplement parce que en fait, elle a pas les mêmes heures de publication que moi. Donc, je me suis calée à elle pour ce swap et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Là, du coup, mon frère va venir pour être un petit peu avec nous. Seulement, Liana, elle a pas beaucoup dormi. Donc, quand il va arriver, elle va goûter et aller se coucher. Moi, une fois qu'ils partiront, j'irai faire mon petit sport. Là, je vais continuer de bosser. Il faut que j'aimerais bien écrire un article avant d'aller me coucher. Donc il faudrait que j'ai réécrive encore un article sur Los Angeles, sur les États-Unis en général quoi, enfin bref. Je vais voir comment ça va se goupiller tout ça et voilà. Et puis sinon je vais aussi vous faire la recette. Bah là d'ailleurs je vais bientôt y aller. Je vais faire la recette des pancakes quand mon frère arrivera, comme ça on va tous goûter en même temps que Liana. Enfin moi je vais pas goûter parce qu'on a déjà goûté là avec Thibaut quand il s'est levé de la sieste. Il était en train de manger les pancakes et là je me suis dit mais il est hors de question que tu manges tous les pancakes sans moi. Alors du coup je vais en refaire parce que du coup on a tout claqué. Et j'ai pas fait la recette juste avant parce que je voulais tester puisque en fait c'est un mix tout fait. Donc voilà, je l'ai pas mise, mais dans tous les cas, je vais quand même vous montrer tout à l'heure. Et c'est des pancakes sans gluten, sans sucre. C'est étonnant de la part des États-Unis, sans sucre et du coup sans gluten parce que bah, on essaie quand même de privilégier, même si on n'est pas parfait et qu'on n'arrive pas à se tenir à tout, parce que c'est pas une obligation pour la santé ni rien, mais on essaye quand même. Bref, voilà, donc je continue.
Ah oui aussi, vous savez pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure, je fais mes photos pour mon article pour Yves Rocher, je teste les produits et tout là. Donc déjà le masque j'ai beaucoup aimé, j'ai même pas remis de crème etc sur ma peau. J'ai beaucoup aimé, j'ai senti les bougies, le parfum etc, j'aime beaucoup ce que je suis en train de tester là. Donc je fais toutes mes photos et là d'un coup je cherche ma carte toute partout et tout. Je me dis mais elle est où ma carte. Ouais bah ma carte en fait je l'ai mise dans le mauvais appareil photo que j'ai formaté. Parce qu'à chaque fois que je réutilise un appareil je formate ma carte toujours. Parce que des fois j'ai des problèmes erreurs de carte et je l'ai pas si je formate. Du coup j'avais plus eu aucune photo, du coup j'ai dû recommencer tout mon travail pendant une demi-heure. J'étais ravie. Bon du coup je vais faire les pancakes, pardon Anto, mon frère et Marine sont arrivés, je vais faire le goûter, donc je vais faire des pancakes. Je vais vous montrer du coup la recette que je vous ai pas montré tout à l'heure. Et c'est avec ce mix là qu'on trouve aux États-Unis. C'est pour ça que je vous ai pas trop montré. Je me suis dit est-ce que ça servait à quelque chose. Mais du coup je vous ai déjà montré une autre recette de pancakes juste avant. Par contre je vais vous donner une petite astuce. La petite astuce pour avoir des pancakes bien fluffy là, vous savez, bien moelleux et tout qui gonfle, c'est le lait ribot. En fait ce lait là ça permet de pouvoir en fait faire gonfler. Donc moi j'achète au rayon frais, donc en magasin bio, mais je pense qu'il y en a au rayon grande surface sans être bio forcément. Et voilà, donc c'est du lait ribot, c'est du lait, juste il a été fermenté d'une autre façon. Enfin bref voilà, je vais vous montrer du coup le résultat. Je vous montre. Et ils sont beaux mes pancakes. Vous avez vu un petit peu? Le lait ribot, ça aide. C'est incroyable, la lumière de ma cuisine, c'est... Faudrait que je me tienne comme ça pour que ça passe niveau ombre. Salut. Bon bah du coup je remonte du sport. Attends, je vais me mettre derrière parce que vraiment je me supporte pas à la lumière de la cuisine. Voilà, c'est presque bien. Enfin... On est d'accord que j'ai fait du sport. On a essayé de recoucher Liana, mais décidément ça a pas du tout été une journée productive en termes d'endormissement, de dodo, tout ça. Donc bah elle a pas dormi pratiquement. Moi j'ai fait 1h15 de sport. Là on est en train de faire à manger. Thibaut était parti pour faire des pâtes à Liana. Donc je le suis dans sa démarche. Il ne veut pas manger parce qu'il s'est gavé de pancakes, clairement. Donc les pancakes, je vais vous mettre la recette en fait pour que vous puissiez donc avoir la recette que je fais et qui est un peu meilleure que ces pancakes, même s'ils sont vraiment bons. En fait du fait qu'ils soient sans gluten, du coup ça change en fait la texture. Malgré que moi j'aime bien, mais mon frère il a pas trop aimé lui par exemple. Donc je vais vous mettre ma recette à moi. Avec le lait ribot, par contre il faut absolument qu'il y ait le lait ribot, sinon vous aurez, enfin vous pouvez avoir cette texture, mais le lait ribot c'est presque du inratable. Donc voilà, là on va manger, je vais aller me doucher, peut-être que je vais travailler une demi-heure, sinon je vais au lit avec mon mari, oui, et on va regarder une petite série. Voilà, c'est dimanche soir, je vais couper, j'ai travaillé quand même mine de rien toute la journée, j'ai refait plusieurs fois des photos que j'avais fait, que j'ai effacé, la merde. Donc voilà quoi. Bon, on va manger, douche, et peut-être au dodo, ou peut-être une demi-heure de taf, et ensuite au dodo, on verra. Tout à l'heure. Coucou, bonjour récupère, on a mangé, il est pas tard, il est même pas 10h. Donc là voilà, c'est dimanche soir, je me fais ma petite pause et je vais avec Tim, on va regarder un petit épisode de série avant de s'endormir, tranquillou walou. Bref, eh bien je vous laisse, je vous dis à demain. Et pour celles qui me regardent et qui sont pas abonnées, bah écoutez franchement n'hésitez pas à le faire parce que vraiment c'est quelque chose qui est sympa. Et voilà quoi, enfin venez dans la team, t'as vu? Non franchement c'est gratuit, c'est cool, ça fait juste plaisir. Alors si tu peux venir, ça me rangerait, t'as vu? Non franchement je trouverais ça cool. T'as juste à t'abonner. Juste. Bon, je te fais des bisous et je te dis à demain.